Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours à Vendôme, enfin là je suis à Naveil Irritation, avec Cassandre et Anne-Christelle. Ouais, le vent, il fait beau, mais il y a beaucoup de vent. Il y a Anne-Christelle qui est en train de brosser Momo parce qu'aujourd'hui on va se faire une petite balade. Voilà, je vais monter pour la première fois A-Boy et là on va aller voir Haribo. Bonjour, c'est. Prenez de la place. Oui, c'est très intrusif d'un coup là quand même. Ah, vous voulez du manger? Ça va que c'est sec. J'ai été obligée de venir te voir. Cassandra m'a dit tu veux venir voir. Bon, je suis. Elle m'a dit mais tu viens quand même. Du coup, j'ai dit d'accord. Voilà. Ah, il y a du vent. Il veut bouffer ma canette. Passe-moi. Coucou. Coucou vous, que vous. Alors elle, c'est la forceuse number one. Ben voilà. Il suffit que je dise ça pour qu'elle le fasse pas et qu'elle se barre. En vrai, regardez là arriver. En vrai, c'est une vraie forceuse. Elle s'est même appuyée sur un tracteur pour faire poète. Trop mignon. Non, voilà. Je ne te touche pas parce que du moment où je vais te caresser, je vais plus pouvoir me défaire de toi en fait. Hein? Fais pas genre hein. Moment, on va faire une balade. Oh, le siège enfant était de l'autre côté, j'aurais dû m'y mettre. C'est pas ta place, Jeanne. Ouais, c'est de l'autre côté. Mais je sais. Ouais. Allez. Elles sont marrantes, hein. Pauvre. Merci. Ah, j'aime bien. Bip, 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 bip. Waouh! Il y avait une main. Oh. Regardez, elle fait une bonne esclave. Continue comme ça, c'est bien. On est bien arrivé à l'écurie de Cassandre. On va chercher ma monture et celle de Cassandre. Je vous ai déjà dit que je montais, alors il n'y a plus de surprise. Les bêtes sont au foin. Salut. Je déteste, ou logiquement j'ai une brosse pour Nomad, une brosse pour Egoy. Parce que alors, les poils blancs sur Egoy. Tu sais que la même chose, bah oui. J'ai un set de brosse pour Saf, un set de brosse pour Cantou. Bah ouais. Parce que pareil, ça me rendait ouf, les poils blancs sur Cantou. Bah ouais. Elle est au soleil. Là. Oh, non, non, non. C'est vrai que dès qu'il n'y a pas de vent. Mais, il est... Ouais. Un 58. Ouais, je fais un 58. Ouais, je l'ai toisé, il a re... il a gardé ton sortie. Mais là, il est beaucoup moins loin. Je suis à 53. Et tu fais un 53 depuis quand? Parce que. Depuis moi, toujours. Oui, bah tu t'es peut-être tassé, hein, parce que moi, le jour, j'étais étonnée. J'ai. Non, mais perdu. Je vais tasser, qu'est-ce que tu racontes? Je te jure que moi j'ai perdu. T'as ta toise? Oui. On va me toiser. Vas-y. Après t'as tes chaussures. Mais... T'as ce côté, on voit la caméra. Salut la caméra. Bonjour. T'as un grand angle? Mais je suis à 1m53, elle dit j'irai être ici, c'est non. Vas-y, boy, toise là. T'as tes chaussures et. Putain, bref. Ouais, t'es un 53 parce que d'abord t'as 53 de lui, mais t'as les chaussures. Donc je ne suis pas. Et boy, je me suis pas tassée. Ah ouais. Ok, bon bah les calculs sont bons, Kevin. J'ai des gros talons. Hein. Ouais. Là je vais être en 70, c'est ça. Donc 64. Ouais, bah je me suis tassée parce que non, je suis un 63. Bah, c'est j'ai pas, non, j'ai pas un centimètre de talon. Non, je me suis tassée, je te jure. T'es vraiment une vieille personne. Hein. Un quart. Ouais. Tu fais un combien déjà de base? 80, je pense. Ah, bah c'est juste ce qu'il faut. Voilà, ça va aller plus haut. Allez, un chandelier. Ah, elle s'est tassée elle aussi. Un chandelier.
Et c'est ta selle aussi, hein. On est des vieilles personnes. Ouais, mais j'ai mes boots, là. Là, t'as un 60, là. 5, 6, 7, 8, 9, 69 et demi. Avec mes boots? Oui. Hein? Tu t'es tassé. Y'a que moi qui me tasse pas. Les petites personnes ne se tassent pas. Bah voilà. Bah vous êtes déjà tassé de base. Alors. Oui. Du coup, sur Tinder, je mettrais plus que je fais 1m80. Comme ça, je vais pouvoir dire dans la vidéo, écoutez, vous voulez toujours me voir sur Quantum, bah là, ça va être quasi pareil. C'est vrai. C'est normal que ça filme toujours? Bah oui. Ah non, j'en ai un, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce couperet? J'avais jamais fait. Non, et franchement, t'es venu à la bonne période parce que là, il en a. L'été, il en a pas. Parce qu'en fait, il a des poils. Ça, c'est des poils. Oui, et ça aussi, ça lui fait une toute belle. Quand je tombe, je suis là quand même, t'as eu froid. Bon, je vais. Oh meuf, tu vas me le blesser. T'as pas fait le passage de sang. C'est vrai? Oui. Okay. Bon, ça va? Tu rigoles ou quoi? Ah, non mais... Ah, tu me connais pas, maniaque? Bah si, tu me connais avec les autres mouches et tout. Non mais meuf, y'a rien. Oh. Okay. Ah, fais voir tes bottes. Ah, tu es ce genre de personne, Cassandre, qui laisse le tapis accroché à la selle. C'est un nom, ça. Un peu plus joli quand même. Oh bah j'ai plus celui qui était en dessous. Tu m'as pas ramené le filet? Oh non. J'ai fait un une boxe en plus. Ah, elle m'a même pas ramené le filet quand même. Super. J'avoue, mais sympa les copines. Dis-le si on est trop lente. Ouais, vous êtes trop lente. Super. Alors t'as dit quoi? Je suppose. On va bien fermer. On va aller faire une balade. Une balade. Et après, je vais sauter 120 avec toi, hey boy. 120? Ouais. Ah, oui. Ah, c'était mon pied, les abrutis. T'as pété? Ouais. Mais 2 secondes, en fait, je ne suis pas mouillée. Dis-nous. Ah, ça pue. Oh, tu pues. Ah, meuf, mais en plus, c'est une infection. Vous connaissez la famille Bidochon? C'est eux. Ah, c'est... Je sais pas quoi. Non, mais brouette égale pas bouffe, égale caca en général. Je vais sauter 1m20, mais il y a que des croix. Allez. Espèce de petite âne. Oh. Très bien. Oh, ça sent gentil pour aller. Oh là là, ça faisait longtemps qu'il s'était pas vu. Bah oui. Il y a Sentiment qui a peur des ânes. Ils ont des grandes oreilles, Momo, hein. Ils ont dû être loupés à la naissance, hein, les poneys là. En vrai, j'aimerais trop savoir ce qu'il pense, parce que Saphir, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Saphir, pareil, il aime pas. Enfin, il a un peu peur des ânes. Enfin, peur, c'est pas le mot. Mais. Oh! Attends! Oups! Oups. Et en fait, je me demande ce qu'ils se disent quand ils voient des ânes, parce que ça ressemble à eux, avec des grandes oreilles. Merci, esclave. Est-ce qu'il ferait pas genre d'avoir peur de ça? Je suis sûre qu'il voit ça tous les jours. Non, 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 non. C'est pas compliqué quand même. Voilà. Ça fait si peur que ça, ces trucs blancs là. Espèce de petit menteur. Allez, on est parti. Quand je monterai Quantum, vous aurez la même vue. Ah, il veut pas aller en forêt. Waouh, attends. Ça commence. J'avais les rênes longues, il est parti là comme ça d'un coup. Je suis pas sûre que Momo devant, ça soit une très bonne idée. Ah oui. C'est utile parce que nous là, on sait pas où est-ce qu'il faut aller.
La seule qui sait où est-ce qu'on va, elle est avec les pads derrière. On va se perdre. Bon, après chaque montée, il y a quoi? Une descente. Oui. Bien cette petite balade entre copines. Ouais, c'est vrai que la... Non, c'est la mode. Ah, c'est vrai. Caméra embarquée. Bien. Mais oui, il est mignon. Toi, mais j'ai peur de perdre. Ah, très bien ça. Donc il est cross. Bah ouais. Super. Ferme à gauche. Voilà. Oh, il Nono, c'est au galop. Allez, après ces petites bêtises, on continue. Bah c'était cool hein. Moi j'aime crosser alors. Cool. Je vais raccourcir mes rênes, je te connais pas boy. Non non. Oh putain. Ah mais il y a trop de fils, il y a tout. Waouh. Ah 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 la queue de le. Tout le monde s'éclate. Ah la queue de le. Non, chanson il y a aussi. C'est la troupe des éléphants. C'est quoi ces petites oreilles? Voilà. On peut faire un galop, mais il faut faire un petit galop parce qu'en fait, pour repasser au trot et au pas avant la fin du chemin, il y a des grosses façons. Donc on peut pas aller là-dessus. Ok. Le chemin est trop court. On te suit. Non, je me mets à droite parce que j'ai pas envie d'être tapé pareil. Je me mets au milieu. Ouais. Il faut qu'on galope tous à côte à côte? Non mais attendez, moi je suis pas encore au galop. Non mais un petit, elles sont déjà pleines de balles. Mais... Ah, je me prends des bosses à terme. C'était pas un petit galop ça. Ça va? Ça va? Ah oui, j'ai vu, ça va? Ah bah oui, oui. Oh bah oui, mais c'est que tu vas les faire. Lui il a sauté un truc. Oh, t'as de la terre sur moi. Et je me suis tout pris dans la gueule. Regardez, j'ai de la terre partout. Bon, je pleure parce qu'on a été vite. Je me suis tout pris. Bon, on a eu un petit problème. Cassandra. Enfin, oui, c'est Cassandre qui a eu un petit problème. Mais ça nous a aussi mis un petit peu dans le bordel. La reine de Cassandre a pété en plein grand galop. Sachant qu'on devait faire un petit galop. Et du coup, nous on a réussi à les arrêter tant bien que mal. Et on a vu Cassandre filer avec sa reine, on était là, tourne, tire à droite, tire à droite. Elle a fini par s'arrêter dans un arbre. Mais ça l'arbre va. L'arbre va bien. Il n'y a que la reine qui va pas bien. Ouais, la reine. Ouais, mais il faut que tu fasses un nœud autour. Ouais. Et ma boy a sauté un truc et j'étais là, mais vraiment c'est pas du tout un petit galop cette histoire. Et vu que j'étais derrière, je me suis pris les modes de terre de Momo. Voilà. Boy il est chaud. Nomade aussi. Oh. Doucement. Ah donc super là où est-ce qu'elle nous emmène en fait. Elle nous emmène dans des branches. Mais oh boy. Non mais lui il chauffe. En fait si tu marchais boy tu irais aussi vite qu'eux. Non.
j'ai de la terre partout. Le boy, il est en forme. On fait du hors-piste, hein. Oui, on fait du hors-piste total, là. Il n'est pas autour de feuilles, mais on est dans la forêt, ma petite dame. Pardon, boy, hein, mais t'es pas très intelligent. T'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, je te le dis, moi. Ah, c'est pas le pingouin qui glisse le mieux de la banquise, hein. Momo, il sait pas. Oui, non, mais on peut... est-ce qu'on peut patienter, nous? Oui. Il y a la queue. Non, 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 non. Il y a les hanches qui partent à gauche. Il y a un arbre. Oh, pas comme ça. Putain, mais qu'il est con. Mais... pardon, mais c'est vraiment pas celui qui glisse le mieux. Hein. Eh bien. Voilà. Sauveuse Cassandre qui va aller chercher Momo qui ne veut pas passer là-bas. À un moment, il n'a pas l'habitude hein, de faire des trucs comme ça. Oh, Momo, Momo, Momo. Bravo, 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 maman. Ouais. On est en train de rentrer et Boy a eu chaud parce que il chauffe depuis tout à l'heure vu qu'il était en dernier parce qu'il peut taper. Donc bien évidemment, les chevaux qui tapent, c'est derrière. Mais du coup, il est pas très content d'être derrière, donc il chauffe. À un moment donné, dans une descente, il m'a même mis genre un coup de cul, genre je veux y aller maintenant. Au moins, il est en forme, c'est positif. Après, moi j'aime bien les chevaux qui bougent un peu, donc j'aime bien. Et en plus, il est très 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 confortable et ça c'est hyper agréable. We'll be right back.
star, cause tonight I'm getting out of line and it's alright. Feeling like a franchement superbe. Like just as cool as John Wayne in his movies. Feeling like I'm James Dean and I know it. Feeling like a feeling like a feeling like a rock star. Feeling like a rock star. Ça va, ça a pas de problème le bruit. Bon du coup, comme vous l'avez vu, j'ai fait un petit tour d'Ayboy. J'ai chaud mon pote. Il était vraiment trop bien. Trop cool. Il est trop bien monté. On est tellement bien dessus. C'est ça en fait le gros truc, c'est que on est hyper bien dessus. C'est des porteurs. Ah ouais, c'est hyper agréable. Franchement, hyper confort. Et après, bah non, il est mignon. Enfin, j'ai rien à dire, il est vraiment sympa. Et pour sauter, il écoute. Alors, il prend pas trop de décisions. Enfin, comment dire, après, c'est un jeune, il a pas trop d'expérience au saut en plus. Non, pas du tout. Voilà, donc il saute comme un bébé en fait. Il écoute. En fait, il écoute. Si on lui demande de prendre une longue, il va prendre la longue. Si on le tient un peu pour le faire se rapprocher, il va se rapprocher. Enfin, il écoute et il y va en fait. Donc, il est très gentil. Les décisions pour lui. Oui, voilà, faut lui dire quoi faire, mais c'est normal, c'est un bébé. Donc voilà. Non, il était très mignon, franchement, très bien. Voilà. C'était hyper chouette. Et là, ils sont à la cantine. Oh. Les trois sont à la cantine. Allez, de retour au pré. Va picoler avec Nono. Il avait faim. Viens. Oh. Mais boy. Allez, casse-toi. C'était là qu'on a dit que tu devais te rouler, hein. Ça va faire du bien. Allez, bronzer au soleil, hein. Je fais garde du corps, du saut d'orbite. Parce que toi, tu veux tout bouffer alors que t'en as eu. Non. Il y a du vent. Il fait froid. Au revoir les papis. À l'année prochaine. Ou à cet été. Il fera plus chaud. Le programme maintenant, c'est que on va ramener Santimo aux écuries. Et après, on va aller manger. Et voilà, parce que moi, j'ai le train à 17h18. Il est déjà 15h10, je crois. Donc faut pas qu'on traîne. Voilà. Cassandre, elle a fait son activité préférée. Oui, et préférée. Momo découvre le petit âne. T'as vu Momo? La grande oreille, hein. Oui. Oui, moi je trouve qu'il a un comportement correct, hein, franchement. Moi j'ai vu les. C'est une méduse. Oh là là! Eh bah dis donc, ça fait peur ça! Tous des flippettes! Bah voilà, ça fait pas peur! Au revoir, boy! À bientôt! Qu'est-ce que c'est que ça? Foxy, c'est quoi ça? Non, ça c'est mon doigt, je suis d'accord, mais ça. Tu manges des carottes? C'est pour te rendre aimable? Non mais. Allez, Audi. Il y croit, tu sais. Tu viens de manger quand même. Au revoir, Momo. Au revoir, Momo. Toujours de la buée, hein, ces chats. J'ai envie de repartir avec elle à Bordeaux, là. Elle est beaucoup trop mignonne, cette petite rillette. Bon, vous aussi, mais vous êtes trop poilu. J'ai déjà un poilu. Et comme d'habitude, c'est Cassandre qui nous attend. Je déteste être en retard, mais elle adore. Du coup, on n'est jamais à l'heure. C'est fou. Jamais. C'est de la faute à Anne-Christelle si on est en retard. Et en plus, Anne-Christelle, elle sait pas se garer.
Elle se croit seule au monde. C'est fou ça, toi. Je suis garée comme une pute. Mais oui. Mais déjà hier soir, tu savais pas te garer. Ou une gendarme. Au revoir Cassandre. À bientôt. Bisous. Abonnez-vous. C'est deux chez vous. C'est deux. D'accord. On a fini de manger cette coiffure là. Génial. Et direction la gare. Je rentre à Bordeaux. Mon sac. Des expositions, stade Matmut Atlantique. Descente de. Ah, je viens d'arriver au tram, enfin à descendre du tram, et en descendant de ma place, je viens de me prendre une crampe à la jambe. Bon, je vais récupérer, enfin, je vais récupérer pas du tout, je vais rejoindre Nathalie qui est venue me chercher, parce que vous savez, celle qui me gardait Oreo pendant que j'étais pas là, elle est trop mignonne, elle m'a accompagnée au tram et elle va venir me chercher. C'est trop cool, je vais retrouver mon bibi. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller voir les chevaux. Je pense que je vais pas avoir la possibilité d'aller voir les chevaux parce qu'il est bientôt 21h, il fait nuit noire, donc ça va être compliqué. Je suis trop triste, ça veut dire que je les revois que mercredi. Oh, je les aurais pas vus pendant une semaine. Moi j'aurais trop aimé aller leur faire un coucou, mais là, pas hyper raisonnable. Ah, regardez, si on n'est pas pile poil en même temps là. Coucou! Ah non, Bibi il est dedans. Ah, je le vois là-bas. T'avais pas abandonné. Ah, on me fait le rapport de l'enfant. Ils ont fait le concours de celui qui montait le plus vite dans le coffre. Et c'est qui a... Bah, c'est Oreo qui a gagné. Une fois, c'est tout bien. Ah, bravo. Ouais. Alors, la grosse tête. Bon, les loulous, je viens de rentrer chez moi. Je vais du coup arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu de passer cette journée avec nous et ce petit week-end. Parce que, bah voilà, je suis revenue à Bordeaux, donc... Ma petite vie bordelaise reprend. Je sais pas quand est-ce qu'on se reverra avec les filles. C'est sûr qu'on se reverra à la motte, mais j'espère quand même qu'on se reverra avant. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.